les travaux sur la raison d'être ont trouvé leur origine en particulier aux États-Unis, hein, et dans la RSE qui s'est déployée maintenant depuis une vingtaine d'années. Alors, la RSE, qu'est-ce que c'est? Ça vise à intégrer par les entreprises les préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités, avec une attention particulière à la relation entre leurs parties prenantes. Donc, la RSE vise essentiellement à mesurer l'impact de ces actions sur la société et sur l'environnement. Alors, la RSE, on la connaissait surtout parce qu'elle est obligatoire pour certaines sociétés, notamment celles qui sont cotées en bourse, 100 millions d'euros, 500 salariés. Et ce qu'on a pu constater, c'est que s'inscrire dans une démarche RSE, c'est nécessairement bénéfique. C'est ce qu'on voit à l'écran. En moyenne, les entreprises qui sont impliquées dans une démarche RSE sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui ne le sont pas. En partant de ce constat, la loi PACTE, qui a été promulguée le 22 mai 2019, a rendu obligatoire pour toutes les entreprises de France la démarche RSE. Ça, c'est l'article 1833 du Code civil qui dit la chose suivante. Alors, on connaissait déjà cet article, il existait puisqu'il disait qu'il y avait une obligation d'avoir un objet social. Et maintenant, ce qui est rajouté, c'est que dans cet objet social, la société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, ça, c'est la grande nouveauté qui est, à cause notamment de la crise, passée un petit peu inaperçue. Mais c'est que si cette nouvelle obligation n'entraîne pas de risque pénal pour le dirigeant, eh bien, ça peut entraîner un risque commercial où on peut opposer cet article au dirigeant pour lui dire vos actions commerciales ne rentrent pas dans le champ de l'article 1833. Donc la volonté du gouvernement avec cette loi, cet article modifié 1833, c'est d'embarquer un maximum d'acteurs et d'entreprises dans cette démarche RSE. Alors, la mission, hein, à côté de ça, qu'est-ce que c'est que la mission? La mission, c'est quelque chose de pas nouveau, elle a toujours existé, mais elle a été un peu plus précisée dans ces 50 dernières années, et notamment par Peter Drucker, qui a observé que la plus importante cause de frustration et d'échec dans les entreprises, ça provient d'une réflexion insuffisante sur la mission d'entreprise. Donc, si la mission n'est pas un concept nouveau, la compréhension partagée de sa nécessité, elle date vraiment du début des crises successives qu'on a pu connaître dans les années 70. Et donc, Peter Drucker s'affiche vraiment comme un précurseur dans cette conception, dans cette prise en compte de la mission dans l'entreprise. Donc, avant cette prise de conscience, on avait à côté la vie économique et puis la mission. Et on se rend compte maintenant qu'on peut très bien vivre la mission dans un contexte économique. Alors, au-delà de la RSE, qui est devenue, enfin, sa prise en compte, qui est devenue obligatoire, la grande nouveauté, c'est dans la possibilité à toutes les entreprises de préciser dans leur statut une raison d'être. La raison d'être, elle est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, pour la faire courte, une raison d'être, c'est une expression de l'utilité sociétale de l'entreprise. Donc, moi, je suis une société, quel que soit mon statut, quelle que soit ma taille, je peux me construire une raison d'être, l'inscrire dans mes statuts, l'inscrire dans l'ADN de mon entreprise. Mais si je veux aller encore plus loin, quand j'ai franchi ce deuxième niveau d'engagement, hein, le premier, c'est je fais de la RSE. Deux, je me crée une raison d'être, je l'inscris dans mes statuts. Et ben, pour aller au-delà, l'article L210-10 du Code de commerce, il me permet de faire publiquement état de ma qualité de société à mission. Donc, on verra un petit peu plus loin quelles sont les conditions pour obtenir cette qualité de société à mission et en faire la publicité. Mais au préalable, je laissais le soin à Clarence de nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de se faire une conviction, pourquoi est-ce que c'est important de se construire une raison d'être. Merci Guillaume. Donc pourquoi, quelle bonne raison ai-je de vouloir explorer, revisiter, construire une raison d'être? Que manquerait-il au monde si votre entreprise n'existait pas? Il manquerait ses produits, ses services, de la création de richesses,
mais pas uniquement. On parle de sa valeur ajoutée globale à l'heure actuelle. Donc, la raison d'être en temps de crise, comme on l'a connue depuis plus d'un an, c'est une réponse potentielle aux risques psychosociaux, car la démarche, elle va détourner de l'esprit de l'anxiété pour aller vers davantage de réflexion. Donc, un des penseurs, il y en a plusieurs, mais qui nous inspire forcément quand on pense raison d'être et purpose, c'est Simon Sinek, qui a extrêmement bien expliqué, démontré dans ses conférences en quoi les entreprises se posaient souvent les questions dans le mauvais ordre, en se posant d'abord la question du what, qu'est-ce qu'elles font, ça c'est une évidence, alors que ce qu'elles vont réussir à vendre, est-ce que les clients achètent, c'est le pourquoi les entreprises font ce qu'elles font, quelle est leur raison d'être. Ensuite, on peut dire qu'à côté de l'administration publique, à côté de l'économie de marché et de l'économie sociale et solidaire, il émerge un modèle responsable, socialement et économiquement prospère. Donc, cette économie responsable, elle va conserver les mêmes ambitions économiques que l'économie de marché, mais elle va y injecter une place prépondérante au sens donné à l'action. On va maintenant détailler un certain nombre de bénéfices. D'abord, donc, pour le sens, ce sentiment d'utilité. Un de nos partenaires, le DIAG, que nous avons utilisé, qui a été passé maintenant par beaucoup d'entreprises, nous a permis de voir que 28% des dirigeants ont l'impression que ce qu'ils font ne sert à rien à certains moments, ce qui est quand même assez choquant, mais c'est ce que disent 46% des exécutants. Donc, il y a vraiment un manque de sens pour quasiment un employé sur deux. Et réfléchir à sa raison d'être n'est donc pas un luxe dans ces conditions que le DIAG nous a permis de mettre à jour. Autre bénéfice, la confiance. Réfléchir à la raison d'être, ça va nous faire tendre vers plus de cohérence et bien plus d'exemplarité, ce qui sous-entend cette comparaison. Donc, les autres avantages, rapidement, le turnover, l'absentéisme, qui vont avoir tendance à se réduire quand on donne du sens. On va pouvoir avoir un alignement culturel si on travaille les choses un peu sérieusement, parce que la raison d'être, c'est une identité permanente, ce n'est pas une stratégie temporellement définie, c'est quelque chose qui projette dans un futur très lointain quand les plans stratégiques s'arrêtent à 2 ou 3 ans. Donc, elle n'est pas la synthèse de valeurs individuelles, elle est une sorte de symbiose de tout ça, la raison d'être dans le sens qu'on lui donne et avec la méthodologie dont on parlera plus tard. Autre bénéfice, autre avantage, l'occasion d'avoir un vrai dialogue, de réduire les litiges. Vous avez peut-être connu, si vous avez travaillé dans des grandes entreprises, notamment le combat des chefs, des petits chefs, on pourrait dire. Eh bien, cette opportunité offerte par la raison d'être, c'est aussi de mettre tout ça sur la table et de créer un vrai dialogue avec les équipes, ce qui est rendu possible par plusieurs moyens à l'heure actuelle, notamment, l'intelligence artificielle. Autre bénéfice, la motivation, l'attractivité, la valorisation de l'image de l'entreprise. Parce que les entreprises apprennent à aimer les clients et les salariés apprennent à aimer leurs services, les produits, grâce à ce travail sur l'identité. Et ça va être un moment fort de rencontre entre le management et les équipes, qui va permettre de valoriser tous les talents de l'entreprise. Autre bénéfice à nos yeux, quand on fait le travail et qu'on va vraiment au fond, en interrogeant toutes les parties prenantes internes et externes, bah on va permettre d'aller tout en bas de l'iceberg parce que les employés et les parties prenantes connaissent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément connues des dirigeants, comme le montre cette illustration d'un iceberg. Autre bénéfice, l'engagement, la productivité. Si la RSE canalise les activités, la raison d'être va les sublimer. Elle va forcément créer une gouvernance plus inclusive. Elle va favoriser la remontée d'informations, la suggestion de plans d'action innovants et fédérateurs en favorisant l'engagement et la productivité des salariés.
Autre point plus prosaïque, plus bêtement prosaïque, mais nous sommes persuadés, je crois qu'on s'est rencontrés aussi parce qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde avec Guillaume sur ces sujets-là. Le but de ces sujets, c'est pas d'attaquer frontalement le capitalisme, le profit. Non, c'est d'essayer de donner du sens, de rediriger certaines activités qui sont devenues incompatibles face à des transitions inévitables, mais en donnant du sens, de générer aussi plus de valeur, y compris de la valeur financière. Ce n'est pas contre ça qu'on va lutter. Et je redonne la parole à Guillaume. Oui, mais absolument, hein, parce que la raison d'être, elle ne va pas être là pour dire finalement, forcément, comment est-ce qu'on va faire les choses, hein, mais la raison d'être, elle est surtout là pour répondre aux attentes exprimées par Carence, en exprimant surtout les finalités d'une organisation à la façon de Simon Sinek, c'est pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que nous travaillons ensemble, pourquoi nous nous réveillons tous les matins, pourquoi est-ce que nous travaillons ensemble. Et cette raison d'être, ça ne va pas être un syncrétisme entre qualité de vie exigée par les uns et rentabilité attendue par les autres. Ça va être surtout une rencontre entre attentes multiples. Et cette quête de sens, elle doit rester arrimée à de la lucidité et de l'authenticité. Donc de l'authenticité parce que c'est une démarche collective vers un mieux-être pour apporter quelque chose de concret à la société, et la lucidité aussi, parce qu'on n'oublie pas que la profitabilité d'une entreprise, ce n'est pas un objectif, c'est un prérequis. Donc nous, ce qu'on croit, c'est que l'objectif d'une entreprise n'est pas de faire du profit, le profit est un prérequis. Un petit peu comme quand je vais utiliser ma voiture, je ne conduis pas pour porter ma ceinture de sécurité ou pour mettre du gazole ou de l'essence ou d'électricité dans ma voiture. Ça, c'est un moyen. Je ne peux pas avancer si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas avancer avec ma voiture si je n'ai pas ma ceinture de sécurité. Mais l'objectif, c'est bien d'aller dans une direction ou de voyager, ou de me rendre un rendez-vous. Et donc, à ce titre, la raison d'être, ça va être plus un fluidificateur et un accélérateur de projet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la raison d'être, c'est une expression de l'utilité sociétale de l'entreprise. Elle va rappeler ses fondamentaux et à ce titre, ça représente un garde-fou dans ses activités. On va voir tout de suite quelques exemples, hein, de raison d'être qu'on a glané sur un site bien connu des passionnés de la raison d'être, mais également qu'on a mis en place au cours de nos missions passées auprès d'entreprises qui sont passées sociétés à mission. Alors, quelques exemples. On va commencer tout de suite par le portail des sociétés à mission. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sociétéamission.com. Si vous connectez sur ce site-là, vous verrez mis à jour régulièrement le nombre d'entreprises qui ont obtenu la qualité avec leur raison d'être et les objectifs associés à cette raison d'être. Vous allez sur sociétéamission.com et vous pouvez identifier, y compris les entreprises qui sont dessus. Et il y a y compris un baromètre dont on va faire un petit résumé par la suite qui va vous donner une idée de l'identité ou du type d'entreprise qui s'embarque dans cette démarche. On a l'enseigne Pourquoi pas moi, qui est un site de blog, hein, une entreprise qui s'est montée sur Marseille. Et dont la raison d'être est tout simplement de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, leur donner les clés pour passer à l'action et retrouver du sens dans leur vie. Donc voici, ça c'est l'objectif de ces deux femmes qui ont monté un site de blogueurs. Elles font du blog parce qu'elles savent le faire, mais l'objectif d'avoir créé l'entreprise, c'est vraiment de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix. On a un exemple qu'on connaît assez bien, puisque c'est Clarence en particulier qui a accompagné Le Petit Pouce. Donc, Le Petit Pouce, c'est une start-up d'entrepreneuses lyonnaises qui sont souvenues que finalement, elles avaient gardé très peu de souvenirs de leur enfance. Donc, elles proposent aux parents d'investir dans une malle, dans une valise qui va être rempli au fur et à mesure des années par les souvenirs que l'enfant aura pu acquérir au cours de son enfance et de son adolescence. Donc, quand l'enfant quittera le nid, eh bien, il partira avec sa malle remplie de souvenirs. Autre exemple intéressant, celui de la Maïf. Clarence, si tu veux nous en dire un peu plus.
La MAIF, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, elle a travaillé sa raison d'être dans les toutes premières grandes entreprises en France. J'ai eu la chance d'interviewer Pascal Demurger et quand il en parle, c'est vraiment assez exceptionnel la façon dont il arrive à faire vivre ça. Moi, j'étais assez critique, donc je l'ai un peu taquiné sur le fait que sa phrase n'était pas si parlante que ça. Il a réussi à me convaincre quand même que cette attention sincère portée à l'autre et au monde, le mieux commun, il y avait des choses, il y avait des exemples derrière. Et donc, je vous invite à retrouver ce débat qui avait lieu entre Pascal Demurger et Philippe Silversan. Si vous tapez les deux mots-clés, vous les retrouverez, ou on pourra vous les donner à la fin du webinaire. Autre exemple de raison d'être, celle d'Orange. Alors là, c'est une belle phrase. L'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Et en enquêtant un peu plus sur la raison d'être d'Orange, on s'est rendu compte que malgré une énorme communication sur le processus de co-construction qui avait été fait pour déterminer tout ça, en discutant un peu avec les organisations représentantes du personnel, ils nous ont expliqué que c'était beaucoup de la communication, mais que dans la réalité, la phrase, les données a été restée assez cloisonnées et que la phrase qui avait été trouvée était grosso modo ce qui était prévu depuis les origines 2 ans auparavant par la direction de la RSE. Donc forcément, pour s'approprier une démarche, pour donner l'impression aux salariés qu'ils ont été écoutés, ce n'est pas forcément le meilleur moyen. Dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux pas faire de co-construction, il vaut mieux faire un vote, par exemple, comme on le propose, un score d'adhésion. Là, au moins, on a la certitude que les gens, leur avis est écouté, parce qu'on peut dire qu'il y a X% de vos employés, de vos collaborateurs qui adhèrent à la raison d'être. Quand on donne l'impression de donner la parole pour la... alors que c'est juste du vent, ça peut avoir des très mauvaises conséquences. Autre exemple, mais celui-ci, même s'il a été pour plusieurs raisons dans l'actualité ces derniers mois, une entreprise quand même modèle en France, la seule du CAC 40 est devenue société à mission, donc avoir été à la dernière étape de ce processus. Danone, qui dès 2005 s'était doté de la raison d'être apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre et qui, dès que la loi Pacte a été votée, a mis tout en place pour devenir société à mission. Je vais enchaîner rapidement sur notre méthodologie. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour formaliser une raison d'être? C'est une étape fondamentale et structurante pour une entreprise. Car la raison d'être, elle doit durer dans le temps, au-delà des crises, au-delà des changements stratégiques, comme on en parlait tout à l'heure. Les 3 étapes que nous proposons pour déterminer cette raison d'être, c'est d'abord un diagnostic avec des représentants de vos équipes en interne. On arrive à déterminer l'identité rêvée. On va co-construire tout ça. Ensuite, pour vérifier qu'on ne s'est pas fourvoyé ou que la mainmise sur le résultat définitif n'a pas été trop fortement à la direction par rapport à ce qu'en pensaient les collaborateurs et ce qu'on pourrait en penser les parties prenantes externes, mais on fait tout un module d'enquête pour avoir l'image réelle de la société et on termine pour pour faire en sorte que ce soit entériné dans le temps par un module de mise en place et de suivi avec des KPIs pour être sûr que tous les objectifs attenant à la raison d'être, ce n'est pas du vent et ça reste dans la durée. Donc le premier module, ça commence par un audit, un état des lieux. On essaye de regarder un petit peu comment l'entreprise communique sur les sujets des valeurs, communique sur sa culture d'entreprise. Par exemple, quand on tombe sur un site comme ce groupe que nous ne citerons pas, on voit sur leur page corporate, on voit des valeurs fondatrices, croire en un avenir prospère, oser entreprendre, agir stratégiquement. Et puis, on va sur la page marque employeur et les valeurs du groupe sont devenues la simplicité, l'humilité dans la relation de travail et la proximité avec le client. C'est un manque de cohérence. Notre travail, c'est justement d'aligner tout ça, d'avoir un discours qui soit totalement cohérent et qui ne fasse pas
un discours marketing, purement marketing. Ensuite, après cet audit, on va constituer une instance de pilotage. Dans l'instance de pilotage, bah, suivant la taille de l'entreprise, ça va être plus ou moins grand. Dans une grande entreprise, on va prendre le plus grand cas, parce que qui peut le plus peut le moins. Bah, on va essayer d'aller comprendre la marque employeur, les valeurs avec la DRH, la maturité de la relation avec les parties prenantes, avec la direction commerciale, la direction des achats. On va essayer de comprendre le brand purpose, l'image de marque, les valeurs plus corporate cette fois-ci avec la direction du marketing, la direction de la communication, l'objet social avec la direction juridique, etc. etc. Je ne vous les fais pas toutes. La culture numérique avec la DSI, c'est de plus en plus important si on veut introduire des vrais changements, d'avoir cette conversation et d'impliquer la direction des systèmes d'information au travail, et puis des représentants du personnel pour avoir le vécu terrain, la direction générale qui va donner la vision, la mission, la stratégie, parce que c'est bien entendu dans leurs prérogatives. Et à l'issue de tout ce module, on fait des recommandations, on a un rapport de fin de module et on obtient ce qu'on appelle cette identité rêvée. Second module, la partie enquête, donc du quantitatif, du qualitatif, en interne auprès des collaborateurs qu'on a déjà interrogés, mais on leur demande de valider ce qui a été trouvé après leur questionnaire, leurs entretiens. Et en externe, là, c'est l'occasion idéale d'aller confronter tout ce travail auprès des clients, des fournisseurs, voir si ça correspond à l'image qu'ils ont de l'entreprise. Il n'y a rien de pire que d'être en décalage avec ce qu'on projette, et donc leur demander si ça leur parle, si la façon dont on a formulé les choses est crédible, ben c'est un exercice qui nous semble fondamental pour la réussite de la démarche. Je crois qu'on est on est les seuls à avoir ce degré d'exigence. Et dernière étape, la mise en place, le suivi, ben on va diffuser en interne, on va pouvoir enfin communiquer en externe sur la raison d'être et sur l'application de tous les objectifs, de tous les KPIs qui sont liés à ces objectifs, réviser les engagements, faire d'autres recommandations éventuellement pour obtenir les bénéfices dont on a parlé dans la première étape, et notamment la confiance et la réputation de l'entreprise. Et je redonne la parole à Guillaume. Oui, absolument. Tout ce travail permet effectivement d'avoir, de se doter de tous les ingrédients pour se doter d'une raison d'être et puis d'engagement associé. Et cette démarche d'engagement supplémentaire de société à mission, elle permet tout simplement à l'entreprise de prendre à témoin un ensemble de ses parties prenantes. Et on entend par parties prenantes les fournisseurs, les clients, les acteurs qui tournent autour de l'entreprise. Ça peut être aussi l'inspection du travail, la médecine du travail, ça peut être la poste, tous ceux qui ont une connexion au moins une fois par an avec l'entreprise et qui peuvent témoigner de l'engagement de cette entreprise. Et puis, bien sûr les salariés. Un petit panorama rapide de l'état de la société à mission, de la qualité de société à mission en France. Alors, vous voyez un graphique, mais je ne vais pas vous parler de cela parce qu'on ne les a pas mis à jour, Clarence. On a des chiffres à fin mars 2021. Ce qu'on constate, c'est qu'à fin 2019, quelques mois après la promulgation de la loi, ce pacte, il y avait une dizaine d'entreprises qui s'étaient dotées d'une raison d'être et qui étaient devenues sous cette mission. En 2020, on a vu une réelle accélération puisqu'à fin 2020, il y avait 124 sociétés à mission en France. Et à fin mars 2021, on est à plus de 154 et donc au mois de juin, probablement dans les 190 sociétés à mission. Donc, on n'est pas sur un engouement tel qu'on pourrait connaître des milliers d'entreprises tous les mois, mais on est sur une dynamique qui est vraiment exponentielle. Et c'est vrai que l'embarquement des entreprises est moins long que pour un simple certificat parce qu'il y a une véritable démarche d'entreprise avant de pouvoir prétendre à obtenir cette qualité. On parlait de la taille des sociétés accompagnées tout à l'heure. On constate que près de 70% des sociétés qui sont devenues sociétés à mission sont des micro-entreprises et des PME. C'est-à-dire que les grands groupes ne représentent, donc les grandes entreprises dont on a parlé, comme Danone par exemple, ne représentent que 4% des entreprises qui sont devenues sociétés à mission. Donc si on prend la part des tout ce qui est ETI
PME et micro-entreprise, on est à plus de 95%. Alors, et en France, à quoi ça ressemble? Ben voilà, la répartition sur l'ensemble du territoire, évidemment, c'est la région parisienne qui est la plus en avance du fait du nombre d'entreprises, bien sûr, présentes sur cette région-là, mais toutes les régions sont embarquées dans cette démarche-là. Qui sont les acteurs de la construction de la raison d'être? Évidemment, on verra qu'à 93%, il y a une formalisation de la vision par le dirigeant. Dans 80% des cas, c'est un travail d'équipe de la direction générale. On consulte les actionnaires dans 60% des cas et on implique quelques salariés dans 58% des cas, ce qui est déjà un chiffre encourageant, mais pour Clarence, c'est moins insuffisant parce que nous, c'est dans 100% des cas où on embarque les salariés. Et alors, on peut voir quelques autres chiffres. Consultation des parties prenantes, c'est 40%. Nous, dans 100% des cas, on consulte les parties prenantes autres que les salariés. Et certaines entreprises souhaitent se faire accompagner dans cette démarche pour avoir un regard d'expert, un regard extérieur sur cette démarche d'obtention de qualité de société à mission. Alors, concrètement, les étapes pour devenir société à mission. La première étape, on en a parlé, c'est de formaliser votre raison d'être. Et ensuite, il faut vous lui associer des objectifs. Les objectifs, ce sont des objectifs prioritaires de grande dimension. En général, il y en a entre 2 et 4. Ce ne sont pas des plans d'action quotidiens. Ce sont des grands objectifs sur lesquels la société s'engage sur le long terme, puisque la raison d'être et ces objectifs-là seront figés dans les statuts. Et cette raison d'être et ces objectifs, ils fixent un cap aux plans d'action qui seront déclinés chaque année et qui ne seront pas forcément les mêmes d'une année sur l'autre. Alors, bien sûr, ces objectifs prennent en compte les enjeux socio-environnementaux, bien sûr. Et la deuxième condition, c'est de mettre en place une modalité de suivi de la mission. Donc, se définir, savoir où on va, c'est bien, montrer qu'on y va, c'est encore mieux. Donc, la loi propose soit un référent de mission pour les entreprises de moins de 50 personnes, ou pour entreprises de plus de 50 personnes, ou même pour les entreprises de moins de 50 personnes selon le volontariat, un comité de mission. Et dans ce comité de mission, il peut y avoir un salarié ou plusieurs, il peut y avoir des fournisseurs, des clients. Dans ce comité de mission, peuvent y être représentés l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. Les organes sociaux ne peuvent pas y être représentés et au moins un membre de l'entreprise doit en faire partie. Et quel est le job de cet organe de suivi, hein, que ce soit le référent ou le comité de mission? Il doit produire un rapport tous les ans que l'entreprise va joindre au rapport de gestion. Il y a une grande liberté qui est laissée aux entreprises dans l'organisation de ce suivi. Qui, comment, pourquoi, combien de temps par mois, sous quel format? Ce que demande la qualité de société à mission, c'est un rapport de mission annuel. Et à ce moment-là, une fois que vous avez tous ces outils-là, vous modifiez vos statuts, vous y ajoutez votre raison d'être, les objectifs et la modalité du suivi de la mission. Vous les faites publier au greffe du tribunal de commerce qui validera ou non votre qualité de société à mission. Et l'autre condition, c'est d'être contrôlé dans le suivi de cette mission tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 personnes avec un premier audit au bout de 2 ans après l'obtention de la qualité. Et pour les plus grosses structures de plus de 50 personnes, c'est un premier audit au bout de 18 mois, puis après tous les 2 ans. Mais pour la plupart de nos interlocuteurs, notamment qui sont, je crois, autour de la table, on est sur des sociétés de moins de 50 personnes. Et donc, le suivi, c'est tous les 3 ans. Alors, ça y est, vous avez une raison d'être, vous avez des objectifs associés, vous avez un comité ou un référent de mission. Cette mission est inscrite dans l'ADN de votre entreprise, c'est-à-dire dans ses statuts. Vous avez un CABIS qui fait mention de votre qualité de société à mission. Et bien, cette qualité, vous pouvez l'opposer au tiers et vous pouvez communiquer dessus sur votre site Internet, sur vos communications internes et externes, par tous les vecteurs que vous considérez nécessaires. Quelques références, hein, nous avons accompagné des entreprises de tout secteur, de toute taille. Actuellement, nous sommes en train de suivre, d'aider
un courtier en assurance qui s'appelle Ethica Assurance, qui a décidé d'entamer une démarche de construction de raison d'être en associant les actionnaires, les dirigeants et l'ensemble du personnel en vue de devenir une société à mission. Ils le seront au courant du mois de septembre. Elle a choisi de se faire accompagner par nos équipes pour bénéficier d'un regard extérieur et surtout d'une méthodologie. Et c'est pour elle aussi l'engagement, hein, l'occasion d'effectuer son bilan de compétences. Bilan de compétences, quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Est-ce qu'elle répond aux attentes de la société? Et est-ce qu'elle tient compte des besoins de l'ensemble de ses parties prenantes? Un autre exemple, Clarence, de société qu'on a pu suivre? Donc, on en a parlé tout à l'heure, on ne va pas y revenir, mais on a travaillé donc avec le petit pouce pour formaliser la raison d'être et toute leur identité. Ils n'ont pas souhaité jusqu'à maintenant aller jusqu'à la société à mission, mais les valeurs, la raison d'être, la mission, tout ça a été redéfini ensemble et rencontre un certain succès. Prendre encore plus fort les liens qui unissent les familles quand on fait des bibliothèques, forcément, tu l'as expliqué tout à l'heure. Autre exemple du Quercy, avec lequel on a aussi travaillé sur ces sujets, notamment les valeurs de bonheur de l'agriculteur, d'excellence environnementale, de santé. C'est une marque qui fait des graines par abonnement et en vrac, et donc qui est en train de valoriser les produits du Quercy avec un partenariat avec les agriculteurs. Donc voilà, on a travaillé avec eux aussi, et puis on travaille avec d'autres clients. On communiquera plus tard quand on aura un petit peu plus avancé dans la mission sur les clients en question, mais qui veulent devenir société à mission, qui veulent se faire certifier Bicorp. Si vous voulez en savoir plus pour qu'on conclue et qu'on laisse de la place à vos questions, bah vous avez des ressources en ligne sur Coursera. Il y a un cours qui est offert par l'ESSEC sur comment, sur la raison d'être et comment devenir la société à mission. Vous avez nos pages LinkedIn, Authentis et 3Com, sur lesquelles il y a beaucoup de contenu en permanence, notamment l'émission à laquelle j'ai fait référence brièvement tout à l'heure à propos de l'interview de Pascal Demurger, les émissions Purpose Info et Purpose Info Focus, qui tous les mois donnent beaucoup de contenu et du débat sur ces sujets, du sens, sur les finalités des entreprises. Donc, on ne peut que vous encourager à taper Purpose Info sur Google et à vous abonner à la chaîne YouTube de 3Com pour tout ça. Voilà, bah, si vous avez envie d'ouvrir le dialogue, on vous écoute. Oui, parce qu'on a donné un maximum d'informations pour que vous ayez, tous les éléments pour vous situer dans ce que vous recherchez, ou simplement explorer votre curiosité. N'hésitez pas à nous relancer sur certains points sur lesquels on aurait été un peu rapide. Donc, on est à votre écoute. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile d'être très synthétique avec un sujet aussi vaste, hein, j'imagine. Un des points que vous avez soulevé pour moi, c'est un des points qui est pas facile. Et c'est pour ça que j'aimerais bien l'explorer, c'est effectivement raison d'être versus marketing. Parce que effectivement, vous l'avez souligné avec le cas d'Orange, mais il n'y a pas que. Ça peut être souvent une baseline facile, la raison d'être, qui serait plus une approche marketing qu'autre chose. Donc, comment vous, de manière très concrète et très pratique, vous arrivez déjà, à distinguer la volonté chez les entreprises que vous accompagnez de ne pas être justement dans du greenwashing, hein, ou alors effectivement du recyclage d'images de marque, et justement aller atteindre vraiment des objectifs un petit peu plus profonds. Et comme vous l'avez souligné, la raison d'être, pour moi, c'est une inscription dans le temps et durable, quel que soit l'actionnariat, quels que soient les changements dans l'entreprise. Donc, comment fait-on concrètement pour traduire ça et éviter justement ces dérapages, voilà.
Il y a plusieurs réponses, mais je commence, Guillaume, tu complèteras. Il y Bien a... sûr, oui, il y a beaucoup de réponses. Ce qui me vient en tête naturellement, c'est la méthodologie. Je pense que très naturellement, quand on commence à parler de la méthodologie, ça fait une sélection dans les clients. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager sérieusement, il ne va pas aller vers une méthodologie à plusieurs étapes comme ça. Il va téléphoner à une agence de com et ils vont proposer de faire deux focus group et 3 semaines après, ils auront une raison d'être qu'ils pourront mettre sur leur site, faire une petite plaquette, un petit film et puis c'est fini. Si on se lance dans un processus où on va en plusieurs étapes faire d'abord une partie de, parce qu'il y a des très très bonnes agences de com, je ne peux pas du tout leur jeter la pierre, c'est pas mon objectif, au contraire, ils peuvent très bien faire le travail, mais pour moi c'est une partie du travail et ça se complète. Ils font la première étape de réflexion, ils peuvent très bien le faire avec des focus group. Ensuite, ce qui généralement n'est pas fait, c'est la partie d'enquête pour aller vérifier l'adhésion. Et encore moins fait, c'est les objectifs. Et ça, bah, des fois, nous-mêmes, on ne se sent pas à la hauteur. Et on va voir des experts RSE. On a bâti tout un écosystème pour être capable de délivrer, quand c'est des clients très techniques, dans des sujets environnementaux où nous, on n'aura pas la maîtrise scientifique nécessaire, bah, on a les bons partenaires qui vont nous aider à vérifier que les objectifs sont vraiment concrets et correspondent bien à l'activité du client. Donc, je pense que c'est, pour répondre brièvement, c'est quelque chose d'assez naturel qui se fait dans les premières discussions avec nos prospects. On voit jusqu'où ils veulent aller. Alors, pour compléter, il y a une différence. Alors, j'ai trois réponses à vous apporter. La première, c'est parmi nos clients, au départ, il n'y a pas une volonté de vendre plus. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment, ils cherchent vraiment la raison d'être d'abord au service de leur première partie prenante, qui est leur personnel, qui sont les salariés. Ils veulent vraiment se créer une bonne dynamique. Et donc, ce n'est pas pour aller vendre plus. Et un des bénéfices, c'est forcément, c'est que ça participera d'une manière ou d'une autre à la pérennité de l'entreprise. Hein, c'est ce qu'on souhaite. Une raison d'être attire plus qu'elle ne repousse. Mais ce n'est vraiment pas l'objectif prioritaire des personnes que nous accompagnons. La deuxième chose, c'est que ça part d'une conviction du dirigeant qui est partagée par l'ensemble du personnel. Et la raison d'être, si on peut distinguer entre un slogan publicitaire et une raison d'être, le slogan publicitaire, quelque part, il va dire pourquoi vous devez acheter chez nous. Alors que la raison d'être, elle a un côté très gratuit. C'est pourquoi est-ce que nous existons et nous mettons, nous en faisons la publicité de manière pas agressive. C'est-à-dire que moi, je suis commercial. Je vais d'abord dire, je suis de l'entreprise Authentis, et voilà, dont c'est la raison d'être. Et je peux vous proposer tel ou tel produit. Et je vais valoriser le produit de manière commerciale. Mais je pense que s'il y a deux choses qu'on doit observer pour distinguer si c'est à vocation commerciale ou à vocation de construction d'une société plus juste, par exemple, c'est un, de voir à qui elle s'adresse, si elle s'adresse à l'ensemble des parties prenantes, et que c'est un discours commercial va s'adresser aux clients. Et la seconde chose, c'est est-ce que ça nous incite à acheter ou ça nous incite à réfléchir, cette raison d'être. Forcément, la raison du petit pouce qui me parle beaucoup, elle va d'abord m'interroger avant même d'aller savoir si j'ai besoin du produit. Est-ce que cette raison d'être, elle est livrée pour le client ou elle est livrée pour l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise? Ok. Bien comme réponse, Luc. Allez-y, Nathalie. J'avais une question. Vous évoquiez à la toute fin la certification B Corp. Et je me demandais comment est-ce que ça s'agence. Est-ce qu'il y a des entreprises qui choisissent d'être société à mission plutôt que B Corp ou l'inverse, ou alors qui au contraire trouvent que c'est complémentaire? Et en termes d'avantages, alors vous parliez notamment beaucoup de avoir du sens et d'implication des équipes. Est-ce que le fait d'être certifié B Corp, ça fait la même chose, en fait, les mêmes avantages? Si je peux répondre, puis Clarence complétera. On a un client qui a choisi de faire les deux parcours.
en commençant par Société à mission, puis ensuite de continuer avec Bicorp. Et donc, elles sont complémentaires. Société à mission répond vraiment à la question pourquoi. Et le label Bicorp va aider à mesurer les objectifs associés à la raison d'être. Ouais, j'irai même plus loin. J'ai une de mes connaissances, effectivement, qui est certifié Bicorp et entreprise à mission, qui est un gestionnaire de patrimoine. Et effectivement, Bicorp étant plus ancien que les sociétés de la mission, hein, puisque les États-Unis se sont engagés, enfin certains États des États-Unis, peut-être pas tous, mais sont engagés dans cette démarche de faire modifier vraiment les statuts de la société pour inscrire justement cette fameuse raison d'être. C'est vrai que il y a une vraie convergence, je pense. On travaille plus profondément, j'ai l'impression, avec Bicorp et leur modélisation qu'avec, finalement, la société à mission. Mais c'est juste une impression que j'ai parce qu'en fait, finalement, Bicorp étant très, très structuré et très américain, finalement, dans la manière de structurer la chose, et les sociétés à mission, c'est relativement neuf et nouveau, donc les retours d'expérience... on l'a au travers de ceux qui veulent bien en parler finalement, c'est difficile d'avoir un point de comparaison. Mais je dirais que moi, ce que je vois en tout cas, c'est effectivement le label Bicorp me paraît tellement bien structuré que ça me paraît évident qu'une fois qu'on est Bicorp, on devient forcément entreprise à mission parce qu'en finalement, on a tout fait finalement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais bon, c'est... Je suis assez d'accord, mais souvent, en fait, d'abord société à mission parce que c'est moins engageant. Oui. Et ensuite, soit Bicorp, soit un autre. Bicorp, on le recommanderait pour des entreprises qui veulent partir à l'étranger, notamment aux États-Unis, parce que c'est un label reconnu à l'international. Il y a un très bon petit label français comme Positive Workplace, dont on est partenaire. Qui font un super taf, qui sont locaux. Donc voilà, on les recommande quand on veut se limiter au marché français. Ils ont une super méthodologie et quand on n'a pas trop de connaissances RSE, qu'on veut commencer le parcours, commencer avec Positive Workplace ou avec Bicorp, c'est un vrai bon moyen de formaliser une vraie démarche RSE, de la rendre professionnelle. Mais c'est le gouvernail un petit peu, si on prend une métaphore nautique. Bicorp, Positive Workplace, c'est des gouvernails, alors que la raison d'être et la société à mission, c'est l'objectif, le cap. C'est là où on veut aller. Et c'est justement, c'est le point où je voulais simplement vous... parce que dans l'entreprise à mission, j'ai cru comprendre dans la société à mission quand même qu'il y a quand même des engagements qui sont logiquement validés par un OPI, qui sont validés par une gouvernance, etc., etc. Après, on inclut ou pas des personnels extérieurs à l'entreprise, des parties prenantes extérieures ou pas, bon, d'accord. Mais donc, qui dit engagement, dit qu'il faut les mesurer, les quantifier, enfin, voilà, bon, c'est le propre de la RSE, hein, de toute façon, on est d'accord, hein, donc... C'est mettre en place des KPIs, mettre en place des actions, des objectifs. Enfin, là, on est dans une démarche RSE, justement. Donc, dire qu'on fait de la société à mission sans faire de la RSE, pour moi, c'est un non-sens. Enfin, ça me paraît être un non-sens. Je peux vous répondre. Alors, moi, ce qui m'a un peu séduit, même beaucoup séduit dans cette mission, justement, c'est que ce n'est pas trop formalisé. D'accord. Donc, on laisse la liberté aux entreprises. Hein, parfois, alors, je ne parle pas de la méthode américaine qui vient de mesurer, de décadrer. Mais pour une fois, dans la loi française, on n'a pas une loi qui nous tient le stylo. On nous dit qu'il faut trouver une raison d'être. Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Ce n'est pas l'État qui va juger. C'est l'entreprise. Voilà pourquoi est-ce qu'elle existe. Alors, il y a des raisons d'être qui ne sont pas faramineuses. Vous regardez un peu dans la bibliothèque. Mais globalement, voilà moi pourquoi est-ce que j'existe. Qui peut mieux répondre que moi, enfin, en tout cas mon entreprise, à cette question-là? Et la seconde chose, c'est les engagements, c'est moi aussi qui vais les prendre. Et puis tant pis s'il y a quelques entreprises qui ont pris des engagements très bateaux, très corporels, très bien conscience. Mais en tout cas, l'OTI va avoir une mission qui va être plus difficile qu'avant, parce qu'avant, ils avaient leur grille, hein, c'est bien, c'est pas bien, je coche 5 sur 10, 10 sur 10. Là, non, l'OTI va devoir voir si... l'engagement pris par la société correspond, ou l'inverse, si les actions de l'entreprise correspondent à l'engagement pris par la société. Son référentiel à l'OTI,
il va changer à chaque société à mission qui va auditer. Et est-ce qu'il y a un, enfin, il y a une, on peut sortir a priori de, si on ne respecte pas les engagements. Donc, est-ce que l'autre pays peut avoir un pouvoir, oui. Oui, il peut faire sortir une société du label, du référencement de société à mission. Oui, et d'ailleurs, les règles du jeu sont sorties il y a même pas une quinzaine de jours. Et ça reste, Clarence, il n'y a pas besoin d'une journée pour les comprendre. Hein, l'arrêt de fonctionnement de l'audit de l'OTI qui est accrédité par le COFRAC. Ce qu'on demande à l'OTI, c'est un, de prendre connaissance de la raison d'être des objectifs, du rapport de mission annuel, donc si c'est au bout de 2 ans, parce que même pour l'entreprise moins de 50 personnes, le premier audit a lieu au bout de 2 ans, okay. De regarder le rapport de mission, et ce qu'on lit dans la feuille de route, c'est d'aller interroger les parties prenantes, de faire du sondage et voir si c'est cohérent. Si, par exemple, moi, dans ma raison d'être, c'est créer du lien. Si j'appelle des fournisseurs, des clients qui disent qu'est-ce qui vous inspire Guillaume Giron, il n'est pas très causant, il n'est pas tellement vers nous, on va dire non, ce n'est pas cohérent sur ce que vous annoncez. On ne vous demande pas de créer du lien, c'est vous qui avez dit que vous créez du lien. Du Giron, donc ce n'est pas bon. Et donc, on va demander les OTI, on leur demande, un, de regarder la matière, qu'est-ce que vous avez écrit dans vos statuts, deux, qu'est-ce que vous avez produit comme rapport de mission, est-ce qu'il y a quelques plans d'action qui permettent de faire vivre la mission au quotidien, puis ils regardent si c'est cohérent, passent quelques coups de fil, ou rencontrent des personnes, et puis à ce moment-là, à la fin, ils disent, écoutez, nous, ça nous paraît cohérent, ou alors on ne se prononce pas parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour se prononcer, ou alors on dit non, l'entreprise n'a pas suivi ses engagements. Et à ce moment-là, on doit normalement modifier à nouveau ses statuts pour retirer la notion de qualité de qualité de société à mission. D'accord. Ce qui implique de ne pas être trop subjectif dans sa définition de sa raison d'être. Parce que sinon, ça va être difficile à évaluer. Oui, alors ce qui sera surtout évalué, ce sont les objectifs associés là, qui sont un peu plus concrets et qui restent très hélicoptères, parce qu'ils vont rester dans les statuts. C'est surtout, est-ce qu'il y a des plans d'action? Est-ce que par les plans d'action qui ont été menés, s'ils ont été menés, ça va être compliqué de maintenir la qualité, dans les plans d'action qui ont été menés, est-ce qu'ils permettent aux objectifs, aux grands objectifs de prendre corps? Mais là, ça veut dire qu'est-ce que l'organisme tiers indépendant va faire le lien quand même entre les actions prises par la société et la traduction de la raison d'être? J'entends, vous parliez, je vais reprendre un élément de la présentation. Là, il y avait marqué bienveillance à un moment de temps, j'ai vu dans la présentation. Oui. Bienveillance, ils le traduisent par je ne sais pas, nous faisons, allez, je vais faire un truc hyper coup de bateau là. 2% de notre résultat net est consacré à des associations caritatives. Ça c'est un objectif. Là on voit à peu près le lien peut-être entre bienveillance et ça, donc ça me paraît assez facile à vérifier, mais il pourrait qu'il y ait des objectifs derrière bienveillance qui n'aient rien à voir avec le mot bienveillance. Donc est-ce qu'ils iront au point de remettre en cause les objectifs ou non, finalement une fois que l'objectif est validé, l'objectif est rempli, peu importe l'objectif, il sera validé par deux choses, là on parle de bienveillance dans ce qui fait partie de la raison d'être par exemple, J'ai un objectif qui va être de partager, de soutenir certaines associations, mais dans mes objectifs, je ne vais pas indiquer le pourcentage. Par contre, tu vas avoir un plan d'action de l'année 2021 où je vais dire, dans le cadre de notre bienveillance, on a un objectif qui est de partager un peu d'argent avec des associations qui portent qui portent des sujets intéressants. Nous, cette année, on s'engage soit à mettre à disposition une heure par semaine le comptable pour une association qui n'en a pas, ou alors de verser 2% de nos bénéfices. Ça va être le plan d'action. C'est-à-dire que l'OTI va dire, oui, vous avez dit que vous voulez partager certaines actions avec des associations. Concrètement, vous avez fait quoi cette année? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Oui, c'est ce que j'avais effectivement traduit. C'est plus la cohérence entre l'action. Est-ce que l'OTI va valider la cohérence entre le plan d'action? Le plan d'action et le... Oui. Et la raison d'être, en fait. Voilà, c'est plus ça.
Oui, alors clairement, il faut procéder quelque chose, mais oui, en fait, ça, il va la valider si les objectifs, normalement, c'est les objectifs qui font la passerelle entre les deux. D'accord. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la bienveillance? Parce que sûrement, plusieurs entreprises vont prendre, si deux entreprises ont le mot bienveillance dans leur raison d'être, peut-être qu'ils vont l'interpréter différemment dans leurs objectifs, et donc forcément dans leur plan d'action. Moi, je pense, on n'a pas encore le recul parce qu'il n'y a pas eu de premiers audits, hein. C'est réellement dans la vie. Non, mais ça a un vrai intérêt parce que quand on voit que derrière Total, derrière Énergie, derrière n'importe quel énergéticien, il y a la défense de l'environnement, bon voilà, on peut se demander. Oui, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi vous me posez la question et je D'accord, on peut se comprends. demander concrètement, ils vont forcément mettre en avant des plans d'action qui traduisent effectivement des choses concrètes pour de la défense de l'environnement, mais ils ne mettront pas en perspective tout ce qui est un petit peu plus délicat dans leur stratégie Alors, derrière. c'est pour ça qu'ils ne deviendront pas société à mission. Hein. Oui, et c'est là où, C'est clairement, un cas c'est extrême que moi, j'ai pris, mais il y a d'autres cas qui pourraient rentrer dans le cadre. Dans le... on scrutait un petit peu la mission des OTI hein, qui est tombée il y a peu de temps, et surtout, on scrute surtout le taux d'embarquement dans société à mission des micro-entreprises et des moins de 50 personnes. Parce que dans la plupart des normes un peu importantes et impliquantes, les grosses boîtes y sont. Et c'est surtout un sujet de com. Moi, j'ai bossé dans des petites, moyennes et grandes entreprises. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui sont annoncées à la télé par le PDG de l'entreprise où j'ai travaillé. Je n'étais même pas au courant, quoi. Et surtout, quand il y avait la mise en place de certaines valeurs, il n'y avait pas eu de sondage. Bon, il y a un sondage, c'est un groupe qui fait 200 000 personnes. Il y a peut-être 32 personnes qui ont été consultées. Et nous, on scrute beaucoup le taux d'embarquement des PME où les personnes ne sont pas meilleures que dans les grands groupes. Attention, hein, on ne veut pas faire de clichés. Mais où, a priori, le dirigeant, c'est plus compliqué pour lui de ne pas dire toute la vérité. Et voilà, hein, je suis entreprise de 10 personnes, 15 ou 20 personnes, c'est plus compliqué. J'ai moins besoin de faire politique que dans un grand groupe. Et je serais beaucoup plus vite pris la main dans le sac si je n'ai pas dit la vérité. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein. Nathalie, je crois à ces personnes par rapport au... Parce que moi, j'ai été dans tout type de structure et j'ai trouvé mon compte, y compris dans les petites et les grosses structures, mais j'ai trouvé une plus grande difficulté dans les plus grosses structures à avoir autour d'authenticité que dans des petites structures. Et ça ne veut pas dire que les petites structures étaient plus bienveillantes que les grosses, attention, hein. Le fait que les petites structures s'embarquent énormément là-dedans, elles vont exiger de la part des OTI... Et notamment de toutes les entreprises qui sont sous cette mission, elles vont exiger cette authenticité. En tout cas, plus que si c'était des grosses structures du CAC 40. C'est ce que je pense. C'est ma conviction. Et je pense que plus de petites et moyennes structures s'embarqueront dans la société à mission, plus elles permettront de verrouiller le statut authentique de cette qualité. Et lui garder un petit peu cet aspect où je ne vais pas réglementer tous les étages de cette qualité, de cette émission et de son audit. Parce que si je verrouille trop, les audits, nous, notre crainte aussi, hein, c'est ce qu'on observe aussi, c'est le coût de l'audit. Ouais, bien Si sûr. l'audit coûte un bras, ça va décourager plein de petites entreprises, ça va être encore une barrière à l'entrée pour des entreprises qui, au final, n'ont pas énormément à gagner en termes de marketing, hein. Le marketing compte surtout pour les entreprises qui peuvent faire passer des spots à la télé. Enfin, j'appuie sur le stylo, hein, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de petites entreprises qui, elles, veulent se construire une raison d'être pour avoir cette raison d'être en partage avec leurs salariés. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Il y a votre micro, on n'entend pas. Oui, ça me paraît cohérent. Par rapport à l'expérience des grosses structures, je sais pas si vous avez des... Comment ça se passe aux États-Unis? Est-ce que la parole de ces grosses structures engage autant ou est-ce qu'ils font plus attention que parfois en France? Je ne sais pas, parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte, mais pas Non, forcément. bah, globalement, c'est beaucoup moins encadré. Enfin, il n'y a pas du tout de. Il n'y a aucune obligation sur rien aux États-Unis. Enfin, ça commence à se mettre en place quand même, c'est beaucoup basé sur du volontariat et il n'y a pas forcément beaucoup de suivi ou de vérification derrière. Enfin, bien sûr, pour les entreprises qui s'engagent, par exemple, dans la certification B Corp, il y a une vérification de B Corp. Est-ce que vous avez entendu parler de la société à mission aux États-Unis qui a, dont j'ai oublié le nom? Ouais, clairement.
Non, vous, vous n'avez pas entendu parler, parce qu'il y a effectivement la qualité de société à mission, qui n'est pas la, qui n'a pas le même caractère qu'en France, mais c'est parti des États-Unis. Il y a la notion de raison d'être, hein, qui n'est pas tout à fait exactement la même chose que la RSE. Hein. Oui. Pour nous, la RSE, c'est une notion de rendre compte par rapport à. Alors que là, c'est la raison d'être, c'est vraiment une démarche volontaire d'une entreprise. Bah, il y a eu. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même vraiment une très grosse différence, au-delà de la différence entre les grosses et petites entreprises. Il y a aussi et surtout une différence entre les sociétés cotées et non cotées, quelle que soit leur taille. Et les sociétés cotées, il y a un petit peu de mouvement provenant des marchés financiers parce que les investisseurs commencent à vraiment plus intégrer le fait que des entreprises qui savent quels impacts elles ont sur le changement climatique, c'est très orienté changement climatique. Oui. Et les investisseurs se rendent bien compte que les entreprises qui savent quel est leur impact sur le changement climatique, qui savent, ou en tout cas qui essayent de le modérer, et surtout qui savent comment s'adapter au changement climatique, bah, sur le long terme, ça prend quand même beaucoup moins de risques. Et donc, il commence à y avoir un tout petit peu plus d'obligations, de mouvements sur le sujet. Là, il y a eu la Chambre des représentants a voté hier une loi allant peut-être vers une obligation de reporting sur des indicateurs environnementaux et sociaux, mais enfin, c'est un peu l'arlésienne depuis quelques années. Ça tourne en boucle, ça ne passe jamais. Et puis, en 2019, il y avait eu un peu une sorte de semi-tremblement de terre dans le milieu parce que la Business Roundtable, qui est celle qui est, enfin, c'est une sorte de gros lobby des entreprises, des grosses entreprises cotées aux États-Unis. Dans les années 80, c'était elle qui avait déterminé que l'objet d'une entreprise, c'était de faire du profit. Et en 2019, elle a déterminé que l'objet d'une entreprise, c'était de créer de la valeur pour ses parties prenantes. Donc, ça a un peu... ça a fait un changement sémantique un peu important. Après, très sincèrement, il n'y a pas eu un mouvement de saisie de cette opportunité énorme. Et même le Covid, ça n'a pas vraiment... Ça n'a pas vraiment fait se poser de questions. Ça a plus renforcé les tendances précédentes. Donc, c'est pas très encourageant, je trouve, aux États-Unis. Après, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, enfin, on arrête si je me trompe, mais c'est pas fédéral hein, là-bas. C'est les États, d'un État à l'autre, c'est tellement différent les modes de constitution des sociétés et les obligations juridiques. Que de ce fait-là, ils ne font pas du tout comme en France, où on a une loi nationale. Mmh. Ouais. Bah là, la loi qui est en discussion, elle serait fédérale, mais de là à ce qu'elle soit appliquée, on peut attendre, je pense. Ouais. Et sinon, effectivement, c'est plus par État, mais même par État, il n'y a pas grand-chose. La Californie, il y a un petit peu plus de réglementation, mais encore, c'est pour les sociétés cotées, les grosses sociétés cotées, donc une portion très congrue des entreprises. Et la seule obligation un peu importante qui existe, c'est un rapport sur les droits de l'homme équivalent au... j'ai oublié le nom, mais le principe de responsabilité de la société mère qu'on peut avoir en France. Il y a quelque chose de similaire en Californie sur les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne l'utilisation des minéraux. Donc, les entreprises ont l'obligation de suivre d'où proviennent les minéraux qu'elles utilisent. En tout cas, mille merci pour cet échange. C'est rare qu'on ait des échanges aussi riches. Ce que je vous invite, alors moi je vous ai envoyé des invitations par ligne pour qu'on puisse rester en contact. Et que ben, si vous aviez besoin de manière individuelle, un peu plus loin dans la discussion, qu'on peut se recontacter, vous avez besoin de conseils hein, par rapport à vos projets, Loïc, par rapport à vos accompagnements de PME. Hein. On croit beaucoup aux écosystèmes, donc avec plaisir également. Et on peut créer. Vous êtes basé où d'ailleurs ? Parce qu'en fait, finalement, je ne sais même pas où vous êtes. Alors, moi, je suis à Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, d'accord. Okay. Et moi, à Aix-en-Provence. Ah oui, c'est okay. Pas tout à fait au même endroit, d'accord. Exactement. On essaye de couvrir la France. On a un relais aussi dans l'Ouest, en Bretagne. Donc. Ouais. D'accord, très bien. Et bien un grand merci hein, pour cet échange. Tout de suite. Une bonne fin de journée merci. À vous. Merci Guillaume, merci Clarence. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.